Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est le Capitaine Kirk et on se retrouve pour découvrir le bunker le plus sécurisé au monde. Les amis, regardez, il est juste derrière moi, il est super classe. J'espère que ça vous plaira. Comme toujours les amis, je compte sur vous pour exploser la barre de pouces bleus, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, super défi, une vue égale, un like, je compte sur vous pour réussir ce défi. Bonne vidéo. Et c'est parti! Alors les amis, on va découvrir ensemble ce méga bunker. Regardez-moi ça, il y a plein de systèmes de défense. Vous voyez toutes les lignes au sol, c'est un système de défense différent. Je vais tous vous les présenter un par un. Déjà, on va tout désactiver. Donc pour ça, regardez, on va rentrer dans le bunker. Pour ça, on va passer en game mode 3 sinon on peut pas. Hein. Il est clairement sécurisé à 100%, on peut pas rentrer dedans. Donc on est obligé de passer en game mode 3, voilà. Donc là, je traverse le mur, on rentre à l'intérieur du bunker juste ici. Et je vais désactiver toutes les sécurités. Pour ça, regardez, je repasse en game mode 1 juste ici. Ici, je désactive le levier, regardez, et là tout va disparaître. Donc là, du coup, on va désactiver tous les systèmes de défense qui sont tous ici. Vous avez vu, ils sont magnifiques. Du coup, regardez, tout s'enlève. En fait, la zone va redevenir un désert, tout simplement. Et tout va disparaître. Et ça va devenir un, il va rester un petit bâtiment. Voilà, cette petite pyramide juste au milieu, qui est en fait notre bunker à la base. Vous avez vu, c'est trop, trop cool. Maintenant, on va activer tous les systèmes de défense à part un. Je vais tous vous les présenter. Alors, c'est parti, on va rentrer à l'intérieur, vous avez vu. Alors, on commence avec le premier système, la ligne de creeper. Regardez, j'appuie sur le bouton. Donc là, regardez, une ligne verte va apparaître et faire tout le tour de la zone. En fait, c'est quoi? C'est une zone, en fait, où spawn les creepers explosifs. Donc imaginez que je suis un assaillant. Moi, j'attaque, en fait, le bunker. Je passe par là. Regardez, je marche ici. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, ça va faire spawn les creepers explosifs qui vont exploser la gueule, en fait. Du coup, ça va vous défoncer parce que ça va vraiment très, très mal. Vous avez un coup. Vous avez intérêt à courir vite, hein. Du coup vous avez intérêt à faire ça en fait et courir très très vite pour ne pas subir les explosions, ça va faire très mal. Donc ça c'est le premier système de défense plutôt sympa. On continue, il y en a plein, vous allez voir, on va tous vous les présenter, ça va être trop cool. Alors on enchaîne avec ça, regardez, donc je vais mettre ça, on va appuyer sur le bouton. Donc là c'est une autre ligne, j'ai l'impression une orange, voilà. Donc là regardez, en fait c'est un labyrinthe de blocs invisibles. Je vais vous montrer ça, regardez, je vais prendre les blocs invisibles comme ça dans ma main. Voilà, donc là vous voyez que c'est un labyrinthe de blocs invisibles. En fait regardez, donc là vous voyez c'est énorme, hein. Donc déjà rien que ça, ça rend le bunker infaillible. Je vais passer au travers en passant en game mode 3. Hop, voilà, sinon c'est pas possible, hein. On passe au travers comme ça. Et je vais essayer de trouver l'entrée du labyrinthe pour vous montrer à quel point c'est dur. Voilà, on est juste ici. Donc là regardez, voilà un mur de blocs invisibles qui protège. Donc là on va trouver les entrées, il y a des petites entrées. Voilà, il y a des petites entrées comme ça, vous avez vu. Du coup regardez, imaginez vous êtes un assaillant, vous allez vous perdre, hein. C'est clairement un labyrinthe. Du coup déjà première difficulté pour entrer dans le bunker, il est sympa, il a quand même laissé en fait une solution, on peut quand même rentrer, hein. Je vais essayer, vous allez voir, on va réussir ensemble, on va trouver une sortie. Il me semble qu'il y en a une, enfin j'espère, hein. Je sais pas si je manque de nous ou pas, alors c'est une sortie. Je pense que ouais quand même, non, même pas. Genre on est censé errer à l'infini dans le labyrinthe. Ah c'est sympa, je savais pas, je ne savais pas. Du coup vous avez vu, regardez, déjà rien que ça, ça rend le bunker infaillible. Comment vous pouvez passer? C'est littéralement impossible de passer. Vous voyez, on est carrément, on est coincé. Il y a pas de sortie. Du coup attendez, je vais me faire une porte, on va ressortir comme ça. Donc là vous avez vu, premier système de sécurité infaillible, un labyrinthe géant. Il y a pas, après regardez, vous enchaînez avec les creepers. Déjà là vous êtes pas bien, vous êtes pas bien du tout. On continue, je vais rajouter les systèmes un par un. Vous allez avoir la fin, vous allez me dire oh putain c'est pas possible, le bunker il est imprenable. Alors on continue. Système suivant. Alors regardez, j'active ça. Donc là regardez, c'est le dernier mob, je sais plus comment il s'appelle, je j'oublie son nom. C'est en fait l'invocateur, regardez. Il fait invoquer ici, regardez, des pics en fait, des espèces de scies en fait, des pièges en métal en fait qui se referment sur vous. Et là du coup vous avez vu en fait que vous traversez l'eau et vous êtes en mode 0, vous allez vous faire mordre par ça. Donc vous allez stresser, vous avez intérêt à aller vite, regardez, vous pouvez pas se faire mordre comme ça. Donc là je fonce, regardez. Et là on se fait défoncer par ces scies géantes qui se referment sur vous, c'est trop trop classe. On continue d'activer les systèmes, c'est parti, regardez, on continue, on enchaîne. Alors on va activer ce système là, j'ai hâte de voir. Donc ça c'est une autre ligne je pense de couleur. Voilà. Donc ça c'est une clôture électrique. Regardez, vous allez me dire en quoi c'est électrique. Bah, regardez, je vais avancer, je vais vous montrer, je vais faire une petite démonstration sympathique. Je vais me coller au mur. Regardez, je vais me prendre des éclairs. Regardez, voilà. Donc à chaque fois que je touche le mur, en fait, je me prends un éclair dans la figure. Mais vraiment, donc c'est un éclair vraiment qui vous défonce. C'est un peu, voilà, c'est le tonnerre de Zeus. Donc quand vous touchez la clôture, en fait, vous allez vous faire défoncer littéralement. C'est trop, trop sympa. Et encore, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, les amis, du système de sécurité. Vraiment, vous imaginez même pas tous les systèmes qu'il y a. Là, alors ça, c'est horrible. C'est mining fatigue. Donc regardez, ça va créer en fait ici un boss guardian qui va vous donner mining fatigue. Du coup, imaginez, vous vous dites, ouais, mais moi je suis un petit malin, je vais casser la clôture. Eh ben non, tu peux pas, parce qu'en fait, lui, s'il te repère, donc là je suis en game mode 1, du coup il m'embête pas. Mais si je suis en game mode 0, lui il va me repérer, il va mettre mining fatigue. Du coup, je vous rappelle, mining fatigue c'est quoi? C'est un enchantement qui vous empêche de miner, enfin qui vous fait miner très lentement. Du coup, vous allez vraiment galérer à avancer, c'est très très sympa. On continue, si c'est sûr, regardez la ligne de Wither, ça c'est plutôt sympa. Si regardez, ça rajoute une ligne ici. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait? Bah en fait, c'est le même principe que les creepers. Je m'approche, regardez ce qui se passe, voilà, des Wither spawn et vont me tabasser. Voilà, je suis en game mode 1, du coup, m'embête pas. Vous allez voir qu'en game mode 0, en game mode 0 j'aurais pris tellement la sauce, enfin je me serais fait défoncer par les creepers, par ça, par la clôture, par ça. Et encore, et ensuite le guardian m'aurait fait, et ben voilà, tu mines plus. On continue. Alors cette ligne là, il me semble, attendez, je crois que c'est une autre ligne encore, voilà, c'est la ligne violette. Alors la ligne violette, attendez, ah oui. C'est en fait des boules d'Under Dragon. Regardez, je me mets là, regardez bien, regardez le ciel, je me prends des projectiles d'Under Dragon, ça défonce ça, vraiment je vous jure ça défonce. Ça j'ai déjà fait en vidéo, ça défonce de ouf. Et du coup regardez, vous faites bombarder littéralement par un Under Dragon invisible par le ciel. C'est votre position, regardez, j'ai beaucoup, regardez, je cours,
Regardez, je vais courir, vous allez voir que ça tombe là où je suis. Vous avez vu, regardez, ça tombe sur moi, c'est trop sympa. On enchaîne. Alors regardez, j'appuie sur le bouton, ça va déployer des guardians. Regardez, les guardians en fait qui sont dans leur petite, en fait ils sont dans une petite zone d'eau, un petit aquarium minuscule. Regardez, en fait ils vous bombardent, donc les guardians, je vous rappelle, ils mettent des rayons laser, ils vous défoncent. Et regardez, ce système est en fait en combo en fait avec un autre système. Voilà, ils fonctionnent de pair. Regardez, j'active ce système là et là, regardez, ça met des sables en fait qui vous ralentissent. Du coup, vous vous dites, ok, je suis là, tu sautes, là t'es ralenti, là ils vous défoncent. Hein. Clairement, regardez, en disant comme ça, ils vous défoncent littéralement. Et encore, ça c'est en supposant que vous avez survécu à tout ça. Hein. C'est clairement pas sûr. On continue avec les systèmes de sécurité. Je vais rajouter un système suivant. Regardez, on va activer le feu. Alors c'est parti, on va déjà appuyer sur le bouton. Ça va rajouter normalement des flammes. Voilà, juste devant. Du coup, regardez, maintenant, un obstacle supplémentaire, vous prenez feu. Donc là, vous êtes en feu. Hein. Vous êtes littéralement en feu. Vous êtes ralenti. Vous faites bombarder les lasers. Vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien dans votre vie. Hein. Clairement, on n'est pas bien du tout. Maintenant, ce n'est pas terminé. Vous avez franchi l'épreuve. Avant le feu, vous allez devoir franchir l'épreuve de la TNT. Regardez, qui explose. Même principe que les creepers, sauf que cette fois-ci, la TNT explose. On continue. Voilà, ne s'arrête jamais. Déjà, regardez, le bunker commence à avoir la classe. Hein. Il commence à avoir la classe. On n'a pas tout activé encore, mais il commence vraiment à ressembler à un bunker. Et ça, ça fait plaisir. Ça, regardez, c'est le. Alors ça, c'est très sympa. C'est le mur. Regardez, c'est un mur en fait. Deux petits. Alors comment il s'appelle déjà? De Shulker Box en fait. Regardez, c'est un mur Shulker Box. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avancez, le mur vous bombarde en fait et vous envoie en l'air. Vous vous rappelez l'effet des Shulkers en fait? C'est qu'il vous tire dessus, ça vous fait un petit effet de lévitation et vous montez en l'air comme ça. Du coup, après vous redescendez, vous faites très très mal. Du coup, c'est un mur, voilà, très très fourbe qui rajoute une défense supplémentaire à ce magnifique bunker. On continue, les amis, ça n'est pas terminé. Alors, on enchaîne par ici. Donc, ça faut attendre un petit peu. On va activer ce système là. Alors, quel est ce système là? On va découvrir ça ensemble. J'ai hâte de voir quel système s'active. Ah oui! Ça c'est horrible. Alors, regardez, là vous vous dites, ouais, c'est bon, j'ai franchi les obstacles, c'est bon, j'arrive. Regardez, vous arrivez. Ici là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devenir littéralement aveugle. Alors est-ce que ça marche avec les shaders? Ah, ça ne marche pas parce que j'ai les shaders, mais en fait, en gros, vous êtes aveugle. Voilà, vous êtes clairement. En fait, là c'est de la triche parce que du coup, avec les shaders, je vois au travers. Mais normalement, si vous n'avez pas de shaders, bah, je vais vous montrer. Tiens, c'est quoi, petite démonstration? Ça ne coûte rien. On va virer les shaders, vous allez voir. En gros, je vais être aveuglé, mais totalement. Genre, je vais complètement être aveuglé. Regardez, voilà. Bah voilà. Ça simule ça. Du coup, vous êtes là. Oh non! Que se passe-t-il? Il faut que j'attaque le bunker et tout. C'est littéralement horrible. Alors, on va pas se mentir. Ce mode ne vous, enfin, ce bunker ne vous respecte pas. Clairement, ce bunker ne vous respecte pas. De A à Z, donc là il vous a rendu complètement aveugle. Et encore, hein, vous devez affronter les Shulker Box, etc. C'est pas terminé, c'est plutôt sympa. On continue, les amis, ça n'est pas terminé. Alors, ces systèmes là, il faut attendre un petit peu avant de les activer. Il faut les activer un peu plus tard, comme celui là d'ailleurs. Alors, on continue maintenant, les amis. On va activer le mur d'obsidienne. Regardez, un mur d'obsidienne va apparaître au-dessus et sécuriser en fait la zone. Vous avez vu, regardez. Donc là, maintenant vous devez franchir le mur, mais c'est pas terminé, hein, c'est pas juste bêtement un mur. Vous allez voir, il y a plein d'autres trucs. Maintenant, vous devez franchir un mur avec des toiles d'araignée. Regardez. Juste là, maintenant, les toiles d'araignée qui vous disent, non, non, tu vas escalader, tu vas galérer. C'est pas terminé encore. Vous imaginez pas, c'est parti, regardez. Alors, attendez, je vais activer dans l'ordre parce qu'il y a des trucs. Alors, ça, c'est le Killer Rabbit. C'est très, très fou. Alors, ça fait spawn un lapin tueur, vous le connaissez. En fait, c'est un lapin très rare dans Minecraft qui vous attaque et qui vous défonce. Hein. Littéralement, il est très, très vilain. Ne vous fiez pas aux apparences. Il a l'air tout gentil, mais il est très, très vilain avec vous. Il vous défonce, hein. Il vous respecte pas. Maintenant, regardez, la barrière de cactus. Regardez, je vais ressortir tranquillou. Et là, regardez, une barrière de cactus est apparue juste ici, en plus des systèmes de défense. Voilà. Donc, là, clairement, ça commence à être solide. Hein. Commence vraiment à atteindre un niveau supérieur de défense, mais c'est pas encore terminé. Maintenant, je vais creuser normalement un fossé. Regardez, je vais creuser un fossé devant le cactus. Voilà, et dans le fossé ici, regardez, je vais rajouter de la lave. Alors, c'est parti. Maintenant, on peut activer la lave que j'ai gardée en réserve juste ici. C'est parti, j'appuie sur le bouton. Et normalement, ça va rajouter de la lave dans le fossé. Des fois, ça bug un peu. Je vais voir un petit peu. Ah oui, ça bugait. Alors, ah non, regardez, ça fonctionne. Et du coup, regardez, maintenant, vous disiez ici, ouais, c'est bon, j'ai atteint l'objectif. Bah non, maintenant, regardez, tu as un fossé de lave à franchir, des cactus, des toiles d'araignée, de l'obsidienne. Et quand tu arrives ici, si tu te tapes un lapin monstrueux qui veut te tuer, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais c'est pas terminé. Alors, regardez, ça va faire spawn des ghasts, 4 tours de ghasts. Regardez, les ghasts vont vous dire, bah tiens, voilà, moi je suis là, je suis posé dans le game et je te bombarde. Voilà, je te bombarde de boules de feu parce que voilà, je rigole pas du tout. Du coup, t'arrives ici, toi t'es un pauvre paysan ici, mais tu vas te faire éclater par ces gars-là qui vont te martyriser à coups de boules de feu. C'est un truc de ouf. Mais c'est pas terminé. C'est pas encore terminé. Alors, regardez, je continue ici. Je vais activer un système de défense qui va en fait rajouter, regardez, en fait, des, normalement, alors je sais plus quel système c'est, je vais regarder un petit peu parce qu'il y a tellement de systèmes en même temps, il y a deux systèmes différents. Donc là, j'ai activé normalement les flèches. Alors où est-ce que c'est? Je ne vois pas le système. Ah, regardez, ça a rajouté le bateau, magnifique, magnifique. Et du coup, ça sert à quoi? C'est juste décoratif? Ah non, j'ai compris. En fait, vous êtes là, en fait, vous êtes là, en fait, on suppose qu'il y a un attaque et un défenseur. En fait, il y a un attaquant et un défenseur. Le défenseur, lui, il est posé dans le ballon. Lui, il est là, regarde, il récupère son arc, il se dit, vas-y, j'ai bombardé mon pote qui attaque. Et là, regardez, il est là, le pauvre, et il martyrise son pote qui galère déjà, mais il lui tire dessus parce que c'est un gros sadique. Ah, c'est génial. Du coup, si vous voulez que je fasse la map avec un pote, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait très plaisir. Si on atteint les 5000 likes, les amis, je ferai une vidéo avec un pote qui attaque en fait le bunker et moi qui le défend avec grand plaisir. Voilà, c'est le petit défi que je lance aujourd'hui. Je vous lance pas souvent des défis comme ça, mais si vous voulez vraiment qu'on fasse la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez-moi un max cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. On continue. Alors,
C'est pas terminé les amis, maintenant regardez, je n'ai pas activé tous les systèmes encore. Alors oui, attendez, on va quand même réserver le meilleur pour la fin. Ça va activer un système, regardez, je vais vous montrer. Ça va activer un système en fait qui tire des flèches, regardez, voilà. Donc ça tire des flèches, donc là vous êtes là, vous êtes tranquille et vous faites bombarder de flèches. Donc là imagine tu bridges, t'es là, t'es en mode ouais vas-y je vais y arriver et tout, etc. T'es en mode comme ça et tout, tu te prends une flèche et tu finis dans la lave et tu pleures. Alors clairement tu pleures parce qu'à ce niveau là clairement t'as plus le choix. Et finalement les amis, le dernier système de défense le plus ultime, là vous allez me dire ouais mais Captain c'est trop facile, on passe par le toit, voilà on passe par là. Et bah non mon gars, tu me pars, regarde. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si t'as cette petite idée, regarde, j'active là, alors là je vais plus pouvoir sortir, attendez, j'ai plus pouvoir sortir, même moi j'ai plus pouvoir sortir, donc attendez. F3 plus N, on va sortir comme ça. Regardez, ça a rajouté un portail de l'end. Du coup, si là t'es là et que tu sautes ici, tu affrontes. En fait, tu finis dans le tour. Enfin, tu finis dans l'end et tu affrontes l'Ender Dragon. Du coup, même si tu fais ouais, moi je suis un petit malin, je passe par le toit. Eh ben non, mec, tu finiras dans l'end et tu affronteras l'Ender Dragon. Tu seras même pas dans le bunker. Et je peux vous dire un truc, les amis, c'est Game Mining Fatigue. Hein. Donc, c'est-à-dire un truc qui vous fait miner très longtemps, vous rentrerez jamais dedans. Mais jamais. Genre vraiment, vous rentrerez jamais. À moins que vous arriviez ici, que vous cassiez les vitres ici, que vous tuez le boss, c'est la seule solution et vous y arriverez pas parce qu'il est protégé et que vous avez Mining Fatigue. Du coup, là, votre solution en fait, c'est de franchir tous les systèmes. Franchir d'abord le labyrinthe, ensuite les creepers, ensuite les boules de l'Ender Dragon, ensuite le Wither, ensuite la clôture électrique, les trucs de l'invocateur, l'aveuglement, la tour de Shulker, la TNT, le feu, les guardians, les sables, les sables ralentissants, le fossé de lave, les cactus, ensuite étoile d'araignée, le dispenser. Vous arrivez ici, vous faut pas tomber dedans si vous êtes dans la merde, vous arrivez ici, donc là votre seul espoir, parce que vous avez Mining Fatigue 3, du coup je vous explique un truc, même avec une pioche en diam, c'est efficiency 4, vous arriverez jamais à casser un seul bug ici, vous n'arrivez pas à casser un seul bug. Du coup vous n'avez qu'une solution en fait, c'est tuer ce boss pour ne plus avoir Mining Fatigue, retourner ici, casser l'obsidienne. Et si vous êtes un héros et vous réussissez à faire ça, vous allez affronter un lapin démoniaque et ses potes qui vont essayer de vous martyriser. Si vous tuez le lapin, vous arrivez finalement dans le bunker juste ici les amis, et vous aurez réussi votre mission. D'ailleurs j'ai un système que j'ai pas activé, le petit beacon, on va voir à quoi ça sert, j'ai pas regardé. Oh je sais pas à quoi sert ce système là. Ah oui. Ah oui, mais j'ai oublié de préciser. Bah oui, voilà, le meilleur système pour la fin les amis, ce sont des rayons laser, et c'est pas pour faire joli, ça vous fait mal. Je vais vous montrer, parce que voilà, en fait ça c'est sympa à montrer. Vous allez voir, ce truc défonce. Bah vous allez voir, vous savez quoi, je vais rentrer dedans. Bah voilà, en mode inconscient total. Bah attendez, j'ai peut-être me donner une armure en diamant, c'est parce que sinon bah je vais pas faire long feu, c'est moi qui vous le dis. Alors attendez, on va se donner une petite armure en diamant parce que là on n'est pas bien sinon. Mais je vais tout de suite, on est pas bien du tout parce que je vais me faire littéralement défoncer. Voilà, donc je vais prendre les gapples aussi dans la main s'il te plaît. Je vais prendre des gapples comme ça. Hop. Voilà, et je suis prêt. Alors attendez, je me mets juste ici, je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. C'est pas grave, je vais vous montrer les rayons laser, ils vous défoncent. Mais vraiment, ça rigole pas. Oula. Ok, on est bien. Pourquoi est-ce que j'ai aussi peu de PV? Je ne sais pas pourquoi. Ok, moi je suis en diams, je régène, ça va tranquille. Alors regardez, je vais vous montrer. Alors là j'ai cassé les rayons laser, c'est ma faute, j'aurais pas dû faire ça. Je vais vous montrer ce qui se passe en fait quand je passe ici. Voilà, regardez, en fait supposons, bah je suis là. Alors je brûle à cause de la lave, regardez les rayons, regardez les dégâts, regardez. Je me fais défoncer par les rayons laser, c'est pas la lave hein. C'est les rayons laser vraiment, je vais vous remontrer, vous savez quoi, je vais vous montrer mieux que ça. Mais ça vous défonce, bah vous savez quoi, j'ai une bête idée. Je vais créer une petite plateforme et je vais vous montrer directement. Mais vous avez bien vu hein, ça défonce. Hop. Game mode 1, je vais retourner là-bas. Regardez, il est beau le bunker. Là, il y a un mur du mur invisible. Du coup, je suis obligé de passer en game mode 3. Ouais, c'est tellement bien défendu que même moi en game mode 1, j'arrive pas à atteindre la zone. Regardez. Donc voilà, le rayon laser est réapparu. Parfait, c'est exactement ce que je voulais qu'il se passe. Regardez, je vais passer en game mode. Oh, ouais, je sais quoi, je vais sauter. Voilà, je vais sauter. Hop, allez, regardez, vous avez vu? Regardez, vous avez vu les dégâts que je prends ou pas? Et là, j'ai Mining Fatigue. Regardez, je ne peux plus rien casser. Regardez, je ne peux plus rien casser. Cette map est trop défendue. Voilà, bon du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré le bunker le plus sécurisé au monde de Minecraft. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Si on atteint les 5000 likes, je ferai une attaque défense sur cette map là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. Et activer la cloche, à plus sur les prochaines aventures. Ciao tout le monde.